loin de ses enfants, la situation commence à être difficile pour Charlène de Monaco. Le retour d'Afrique du Sud de la princesse est très attendu par les Monégasques. Vivre à Monaco et faire partie de la royauté peut faire rêver, mais qu'en est-il de la réalité? Une enquête du révèle que la princesse Charlène de Monaco vivrait mal son statut sur le rocher. La jeune femme avait rencontré le prince Albert de Monaco en 2000. Ce n'est qu'en 2011 que le mariage a été célébré. À cette époque, la princesse aurait été victime de plusieurs infidélités de la part de son époux. Mais le véritable problème selon elle réside dans ses difficultés à tomber enceinte. Je pense qu'elle s'est mise en tête que tout le monde pensait que c'était de sa faute, le prince ayant déjà reconnu deux enfants nés avant son mariage, raconte l'une de ses amies à nos confrères du. Ce n'est qu'en décembre 2014 que Charlène de Monaco donne naissance à des. En manque de ses enfants. Officiellement, la princesse s'est rendue en Afrique du Sud en raison de ses problèmes d'ORL. Son ultime opération s'est bien déroulée. Mais aujourd'hui, ses enfants lui manquent. J'ai hâte de rentrer à la maison pour retrouver mes enfants qui me manquent terriblement. Je pense que n'importe quelle maman qui a été séparée de ses enfants pendant des mois ressentirait la même chose que moi, avait-elle confié sur Instagram d'après un article de Closer. Cet été, la maman a eu la joie de les retrouver avec son mari, qui était venu lui rendre visite. Mais tout n'est pas rose pour autant. D'après le média Pure People, une rumeur circule au sujet d'une recherche de paternité d'un bébé brésilien, né en 2005. Pour le palais, il s'agit uniquement d'une extorsion de fonds ratée. Article écrit en collaboration avec Cimedia Utrecht Robin, Abaca autour de famille princière de Monaco enfant principauté de Monaco Afrique du Sud à propos de.